nous allons voir les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber lorsque l'on écrit un invariant de boucle. Alors, en premier, il faut bien préciser à quel endroit on place notre invariant de boucle, parce qu'on peut avoir un algorithme qui est juste avec un invariant de boucle qui est juste, mais si on le met au mauvais endroit, et bien il devient faux. Alors, un exemple. Donc là, j'ai repris la, le même algorithme somme 2 qu'il y avait dans des slides précédents. Un invariant de boucle écrit ici. A votre avis, est-ce que cet invariant de boucle est toujours vrai ou pas Alors non, il n'est pas toujours vrai. En fait, si vous regardez, c'est le même invariant de boucle que dans mon exemple précédent, donc qui était vrai, mais je ne l'ai pas mis au même endroit. Et du coup, bah, il devient faux. Bah, pourquoi bah, Par exemple, à la première itération, c'est le premier truc qu'on vérifie hein, normalement. Euh, Qu'est-ce qui se passe bah, Je regarde donc première itération, je commence du début, S est mis à 0, I est mis à 1. Donc est-ce qu'il est vrai qu'à cette étape de l'algorithme, S contient la somme des entiers de 1 à I Donc I vaut 1, donc euh, la somme des entiers de 1 à 1, ça vaut 1. Est-ce que S contient 1 Bah non, S il contient 0 à ce moment-là de l'algorithme. Donc c'est faux. Tout à l'heure, c'était juste parce que mon invariant de boucle, je l'avais mis après l'affectation de S. Donc du coup, c'est pour ça qu'il était juste. Si je le mets là, en début d'itération, il est faux. Donc il faut bien faire attention, puisque l'invariant de boucle, il peut être vrai à un endroit et faux à un autre. Un autre piège dans lequel il ne faut pas tomber, ce serait d'oublier de vérifier la première itération. Alors, ça, c'est vraiment comme dans une récurrence. Hein. Si vous oubliez de vérifier le cas de base, eh ben, toute votre récurrence, euh, vous pouvez avoir l'impression qu'elle est vraie alors qu'elle est complètement fausse, si votre cas de base n'est pas bon. Alors, un autre exemple avec un algorithme et un invariant de boucle écrit ici. À votre avis, est-ce qu'il est vrai ou faux Eh bien, il est faux. Pourquoi bah, Si on regarde à la première itération, qu'est-ce qui se passe S est à 1. Première itération, I est à 1. Donc là, on a calculé 1 plus 1, donc S est à 2. Donc I vaut 1, S vaut 2. Est-ce qu'il est vrai qu'à cette étape de l'algorithme, S contient la somme des entiers de 1 à I, c'est-à-dire de 1 à 1 C'est-à-dire est-ce que S contient 1 bah, Non. Donc, c'est faux. Il faut vérifier, bien sûr, que euh, l'invariant est vrai d'une itération à l'autre. Alors ça, en général, ce n'est pas trop un piège, puisqu'en général, ça, c'est le truc euh, central. Et donc, c'est le genre de truc que euh, les étudiants n'oublient pas. Euh, il faut, attention, aussi porter un soin particulier à la dernière itération. Et ça, on va y revenir dans un instant. Et souvent, ça va un petit peu avec le 5. Euh, il ne faut pas s'arrêter là, euh, parce que pour bon, ça, OK, euh, montrer que votre invariant il est vrai, c'est bien. Mais le but, c'est de prouver que votre algorithme répond aux spécifications. Donc, normalement, si vous avez bien choisi votre invariant, c'est à peu près ça qui prouve. Mais euh, il ne faut pas oublier de faire cette étape-là. Donc il faut toujours prouver que votre algorithme fait ce qui vous a demandé. Et pour ça... Vous vous aidez de l'invariant que vous avez prouvé dans la première partie de votre preuve. Alors, voici un nouvel algo que je vous laisse lire. Mettez pause si nécessaire. Et je vous propose un invariant de boucle. Ici. Et essayez de voir si l'invariant vous semble toujours vrai ou pas. Ou si vous voyez un problème qui n'est pas vraiment de l'ordre de l'invariant et. Est vrai ou faux, mais peut-être un autre problème qui rentre dans aucune de ces deux cases, ou du moins vous ne savez pas comment le ranger. Alors voyons voir, qu'est-ce qui se passe. Donc je vais essayer dans un premier temps de me dire que euh, c'est bon, et donc je vais essayer de prouver que mon invariant de boucle est toujours vrai, euh, et que mon algorithme euh, renvoie la somme de toutes les cases du tableau. C'est ça mon, mes spécifications. C'est ce que je veux prouver. Alors, ça y est, c'est parti. J'essaie de faire ma preuve. Alors, je commence toujours par analyser la première itération. Je veux prouver que mon avalanche de boucle est vraie à la première itération. Alors, au début, somme jusqu'ici est mise à 0. N est mis à la longueur du tableau. I est mis à 0. Donc, ça, ça fait 0 plus table de 0. Donc, somme jusqu'ici est mis à table de 0. Euh, OK. Et donc, du coup, je dois prouver que somme jusqu'ici contient euh, la somme des cases du tableau entre les indices 0 et i. Donc, i vaut 0. Donc, je dois prouver que somme jusqu'ici contient euh, juste table de 0. Ben, ça, c'est vrai. Donc, première itération, OK. L'invariant de boucle est vrai. Alors, maintenant, je vais prouver que l'invariant de boucle reste vrai d'une itération à l'autre. Donc, je suppose que... Euh, comme pour une récurrence, euh, j'ai fait une itération pour un certain i. Mon invariant de boucle est vrai. Et maintenant, je remonte, je mets à jour mon i qui est incrémenté d'un cran. Et je veux prouver que mon invariant de boucle va être vrai à l'itération suivante. Alors attention, comme j'ai mis à jour mon i, je réécris ici ce, la propriété que me donne mon invariant de boucle de l'itération précédente, qui était donc avec la valeur de i précédente, qui vaut donc maintenant bah, i moins 1. Donc ici, ce que je sais, c'est que somme jusqu'ici contient la valeur qui est la somme euh, des cases du tableau des indices 0 à i moins 1. D'accord Ça, c'est la traduction du fait que je sais que mon invariant de boucle était vrai à la fin de l'itération précédente. Et j'ai mis à jour ma valeur de i entre temps. Ensuite, qu'est-ce que je fais bah, À somme jusqu'ici, je lui ajoute table de i. Et je fais mon affectation. Donc, du coup, bah, à somme jusqu'ici contenait ça. Je lui ai rajouté table de i. Donc, c'est bien vrai que somme jusqu'ici contient la somme des cases du tableau d'indice 0 à i. Donc, ça, c'est vrai. Donc mon invariant de boucle, il est bien toujours vrai, parce qu'il est vrai à la première itération, et il est vrai d'une itération à l'autre. Maintenant, je regarde la dernière itération. Il faut toujours regarder la dernière itération pour vérifier s'il n'y a pas de problème. Dernière itération, i vaut n. Donc mon invariant de boucle me dit que somme jusqu'ici vaut la somme des cases du tableau d'indice 0 à n. Ah mais ça, ça ça va pas du tout ça parce que euh, cette case là tape de N elle n'existe pas parce que N c'est la longueur de mon tableau du coup la case d'indice N elle n'existe pas dans un tableau de taille 5 la case d'indice 5 elle n'existe pas parce que les cases qui existent c'est de 0 à 4 donc du coup mon invariant est toujours vrai mais il prouve que mon algorithme va planter il va provoquer une erreur Alors du coup, ça m'incite à rectifier du coup, ma borne de boucle ici. Si je remplace le n par n-1, alors ça ne change rien pour ça, je n'ai pas besoin de refaire la preuve de ces deux parties, puisque je ne m'étais pas servi de ma borne de boucle. Donc j'ai juste à refaire ça. Donc je regarde, maintenant que me dit mon invariant à la dernière itération Il me dit que somme jusqu'ici vaut la somme des cases du tableau d'indice 0 à n-1, et ça, c'est bien la somme de toutes les cases du tableau. Donc, maintenant, mon algorithme est correct, puisque le seul truc que je fais quand je sors de ma dernière itération, c'est renvoyer ce qu'il y a dans somme jusqu'ici. Alors, donc du coup, pour l'instant, je vous ai présenté l'invariant de boucle pour vous dire, d'abord, je fais mon algo, et ensuite, je prouve qu'il est correct. En fait, une fois qu'on a compris ça, on se sert de l'invariant de boucle un peu autrement, enfin un peu comme un entre-deux, parce qu'un invariant de boucle, on peut aussi du coup le décider avant d'écrire notre boucle. Et du coup, euh, le, le choix de notre invariant de boucle, c'est ça qui guide la manière dont on va écrire notre algorithme. En fait, souvent, la stratégie, c'est un peu entre les deux c'est-à-dire. Je fais un premier algorithme un peu au brouillon, qui n'est pas tout à fait juste, je cherche l'invariant de boucle, et après, euh, j'ajuste mon algorithme pour qu'il colle à l'invariant, et qu'il soit juste. Par exemple, je veux écrire une fonction qui prend en argument un tableau de nombres et qui renvoie le plus grand nombre contenu dans le tableau. Donc, au brouillon, je me dis comment est-ce que je vais faire ça Je vais parcourir mon tableau, je vais garder dans une variable locale bah, le plus grand élément du tableau parmi les cases déjà parcourues et ça me donne un brouillon. Donc, ça, c'est la signature de ma fonction. Ça, c'est facile, je mets le mot-clé fun pour dire que je commence une fonction. Le type de retour de ma fonction, ça va être nombre. Le nom de ma fonction, ça va être maxTab. Et ça prend un argument tableau de nombre. Donc, il me faut ma variable locale, que j'appelle max jusqu'ici, qui va être un nombre. Pour l'instant, je ne sais pas trop comment l'initialiser. Donc je laisse à compléter plus tard. C'est mon brouillon. Ensuite, je fais une boucle pour pour parcourir toutes les cases de mon tableau. Donc je vais aller de 0 à longueur de table moins 1. Et là. Je ne sais pas exactement comment je vais l'écrire, mais il faut mettre à jour max jusqu'ici si nécessaire, c'est-à-dire si j'ai trouvé plus grand que mon max jusqu'ici. Et là, je vais écrire mon invariant. Il faut que max jusqu'ici contienne le plus grand nombre parmi euh, table de 0, table de 1, jusqu'à table de i. Donc, c'est ma ligne directrice. Et vous voyez, ça, c'est mon brouillon qui contient un bout de mon algorithme et mon invariant. Et du coup, bah, j'affine un peu. Donc ça, je laisse à compléter plus tard. Et j'ai complété cette partie en me disant, bah, si table 2i est plus grand que le max jusqu'ici, bah, je range table de i dans max jusqu'ici. Et à la fin, je fais renvoyer max jusqu'ici. Donc j'ai un peu avancé. Et maintenant, bah, mon invariant, ça va me servir à bien initialiser mon max jusqu'ici. Pour pas que je me trompe et que je mette une mauvaise valeur qui rendrait mon algorithme faux. Euh, alors, Du coup. Voilà, là je me pose la question et je vais utiliser mon invariant. Alors, imaginons que je vais y mettre 0, parce que je ne sais pas trop comment initialiser. Des fois, quand je ne sais pas trop comment initialiser, je me dis, je vais essayer avec 0. Alors, bon, bah, imaginons que je mette 0 et que j'essaye de prouver que mon invariant est vrai à la première itération. Bah, euh, D'accord, j'ai fait ça. Et maintenant, bah, je dois prouver que la euh, première itération max bah, jusqu'ici contient le plus... Grand nombre parmi, ben, comme i vaut 0, euh, parmi euh, table de 0. Ben ça, ça va être vrai que si j'ai exécuté ça, c'est-à-dire que si ça, c'était vrai, c'est-à-dire que si mon table de 0 était strictement plus grand que ce que j'ai initialisé dans max jusqu'ici, c'est-à-dire 0. Là, je me rends compte que, en fait, mon invariant va être vrai à la première itération que si, Table de 0 est strictement positif. Et ça, je ne l'aurais pas forcément vu euh, si je n'avais pas écrit mon invariant. Euh, mais donc ça, c'est pas bon parce que là, euh, mon tableau de nombres, euh, personne ne m'a dit que euh, c'était des nombres positifs. Donc je ne peux pas mettre ça. Donc là, euh, du coup, bah, vu que je veux que Max jusqu'ici contienne le plus grand nombre parmi table de zéro tout court, à la première itération, bah, du coup, je vais initialiser carrément avec table de zéro, puisque en pseudocode, on. on on a dit qu'on n'avait que des tableaux euh, non vides, qui avaient avait au moins un élément. Donc je mets là. Du coup, bah, à la première itération, euh, ça, ce sera faux, puisque j'ai table de 0 dans Mac jusqu'ici, i qui vaut 0. Donc je vais comparer table de 0 avec en fait table de 0. Donc ça sera faux. Et j'aurai bien Mac jusqu'ici qui contient le plus grand nombre parmi seulement table de 0. Et ensuite, d'une itération à l'autre, eh bien, hop, quand je remonte, j'écris mon invariant euh, à, à la fin de l'itération précédente. Donc comme il y a eu un décalage parce que i vient d'être mis à jour, il vient d'être incrémenté, et eh bien en fait ici, max jusqu'ici contient le plus grand nombre parmi table de 0, table de 1 jusqu'à table de i moins 1. Et là, si table de i est plus grand que le max jusqu'ici, c'est-à-dire le plus grand nombre parmi euh, toutes les cases du tableau entre 0 et i-1, eh je mets euh, table de i dans max jusqu'ici. Donc quand j'arrive ici, je suis bien sûr que max jusqu'ici contient le plus grand nombre parmi table de 0 jusqu'à table de i, en combinant ça avec ça. Donc d'une itération à l'autre, c'est bon. Je vais regarder ce qui se passe à la dernière itération. Donc à la dernière itération, j'ai i qui vaut longueur du tableau moins 1. Et mon invariant me dit que max jusqu'ici contient le plus grand nombre parmi table de 0 jusqu'à table de... Et là, l'indice, c'est longueur du tableau moins 1. Donc ça, ça va. C'est bien une case du tableau qui existe, d'une part. Donc il n'y a pas d'erreur de, d'algorithme qui est provoquée. Ça ne va pas planter. Et d'autre part, ça couvre bien toutes les cases du tableau. Donc, ça prouve que mon algorithme répond aux spécifications, puisque quand je sors de ma dernière itération, je renvoie le max jusqu'ici, qui contient le plus grand nombre parmi toutes les cases du tableau. Donc là, je viens de vérifier les deux derniers. OK. On a bien les quatre étapes à faire. Donc vous voyez, en fait, cet invariant book, ça nous aide à faire des algos. Euh, qui sont justes, puisque là en l'occurrence ça m'a aidé à bien choisir euh, mon initialisation ici et de ne pas prendre un truc euh, au pif qui au final rendrait mon algorithme fou.